Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Sylvos et donc aujourd'hui on se retrouve pour ce 6ème épisode sur Rayman 1. Et donc souvenez-vous, la dernière fois les amis, on s'est arrêté en plein milieu du niveau comme on l'avait déjà fait pour un précédent épisode parce que sinon l'épisode aurait été un petit peu trop long. Et comme vous savez que j'aime avoir une moyenne de temps de vidéo correcte, et ben voilà. Bref, du coup on est reparti sans plus tarder. En restant vigilant, même si je sais que je le dis à chaque début d'épisode, mais bon, on le répétera jamais assez, je dirais. Hop là, c'est quoi qu'il y a là-haut? Une flèche, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-haut. Est-ce qu'il y aura pas une... Non, pep. J'ai cru qu'il allait y avoir un nuage qui allait se débloquer si je sautais, parce que des fois ça fait ça, mais ça l'a pas fait. Ok. Là, il y a un petit truc sympa. Ah! Oh oh! Je savais bien qu'il y avait quelque chose, amis. Juste faire attention à pas se prendre le truc qui pique à la con. Putain. Eh, il va me faire chier, regardez. Il est au même timing que le nuage. Oh, c'est bon. J'ai trouvé le bon timing. De toute façon, dans ce jeu, il y a toujours une question de timing à certains endroits. Et ça me sidère! Parce qu'il faut se concentrer. Ah, arrête. Regardez ça déjà, il y a des pièges partout. Combien que ces deux trucs là-haut ils vont tomber au moment où je vais passer pour choper la cage? À moins que je fasse ça, attendez. Je vous ai niqué. Et fait voir si... Tiens, vous voyez, je vous l'avais dit en plus. Et forcément, il y en a deux autres là. Je me casse vite. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup la musique du jeu là qu'on entend actuellement. J'ai beau ne pas avoir pu jouer à ce Rayman, et bah cette musique je la connais bien et je me souviens qu'elle était très bien. Moi en tout cas elle m'avait marqué, cette musique. Hop là, là-bas, il y a un truc. Bah là aussi. Ah d'accord, ok. Ah merde, putain, j'ai pas vu les pics. Je me suis concentré sur le chapeau, j'avais pas vu les pics. Là, on va essayer de récolter une petite vie, les amis. Parce que... je vous explique. Attendez, juste 15 things à rapporter. Ok, right. Bon, ça, si c'est juste ça. Donc, je disais, je vous explique, les amis, en fait, voyez-vous, quand on a démarré l'épisode, on a fait une sauvegarde rapide. Mais le problème, c'est que dans le précédent épisode, je n'ai fait aucune sauvegarde du jeu, à proprement parler. Du coup, en gros, ça veut dire que si je me fais dans cet épisode que je fais un game over, bah... je vais devoir reprendre depuis le début de l'épisode 5. Et ça me tente pas beaucoup, vous voyez. Du coup, on va essayer de... se concentrer, d'être vraiment patient hein, sur certaines choses. Si on voit une vie, on va essayer de la choper parce que voilà. Une vie, on crache jamais dessus dans ce Rayman. Hop là. Là par contre, on va essayer de se presser parce que 8 secondes. Vite. Voilà. Parfait. Comme il l'a marqué. Perfect. Voilà. Une petite vie, déjà, c'est fait. Ah bon, en plus comme ça on a regagné le point de vie qu'on avait perdu avec ce foutu pic à la con. Voilà, c'est bon. Voilà. Oh putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais moi? Par contre le nuage il monte un peu plus. Est-ce qu'il y aura un truc là? Ah ah! Il disait bien. Le nuage il allait pas plus haut pour rien. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails qu'il faut faire attention dans le jeu. Les caches d'Ectoon, ça peut être très bien caché apparemment. Il suffit juste d'un petit Tinks qui situe à un endroit complètement con et ça vous débloque une cage. Voilà. Alors attendez, il va falloir trouver le bon timing là aussi. Voilà. Ah, j'aurais bien chopé le truc là-haut. Hop! Nice! J'aime bien. Pour moi, on s'en sort vraiment bien, les amis. Je suis content de moi. Aha! Ok. Oh non, putain, maintenant il y a l'écran qui s'avance. Oula! Voilà! Oh putain, putain, salaud! Salaud, salaud, non! Putain de merde! Ah, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait un qui débarque de l'autre côté. D'accord.
Déjà, on sait qu'il y a un truc à la con ici. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Vite, voilà. Putain. Ah, ce jeu. J'ose pas parler tellement. Je dois me concentrer, les amis. J'ose pas parler dans l'épisode. Voilà. Oh là. Oh là. Oh non, putain. Oh putain. Yes, c'est bon. Je me demande s'il n'y a pas un truc en dessous. Oh non, putain. Non! Non! Parce qu'il fallait absolument que je le tue, sinon il va me pousser dans le vide. Oh non, 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 putain. Mais il y a des pièges toutes les deux. Regardez, il y a même là aussi un truc, putain. Il y a des pièges partout. Allez, crève. Mais putain, c'est chiant. Voilà. Est-ce qu'il y a un troisième stage? Ouais, il y a un troisième stage, d'accord. Y'a rien en dessous. Je sais pas pourquoi je sens que je suis vraiment pas au bout de mes peines hein, pour ce qui est des pièges. Il va y en avoir et encore et encore et encore. Ok. Pourquoi il y a une musique d'un seul coup là? Une musique comme s'il y avait le méchant qui s'approchait. Ouais. Un truc. Putain, vous me faites venir pour rien? Sérieusement? Ah si, là il y a un truc qui est pas. D'accord. Ok. Oh non, putain, sérieux? J'aime pas qu'on balance des testiboules en magmatique là, hein? Eh oh, on va se calmer. Petite vie là-bas, non? Ok. Oh non! Vous allez vous calmer, putain! Il y a des mains! Il y a un truc en dessous. Ah bah, ça m'a amené vers le truc là que je voulais. Ok. Ah bah. Bah, voyez. Il suffit juste de quelques électrons et ça débloque une cage. Et du coup, il faudra que je revienne là en dehors. Ah d'accord, d'accord, maintenant je comprends. À quoi servait ce passage? Putain. Ah, et là-haut, il y a une vie aussi, il faudra la récupérer. C'est possible. Parce que bon, du coup, j'ai fait le niveau bonus pour rien, quoi. Enfin, pas pour rien quand même. Mais... Hop là. Tac, voilà. Et deux, trois cages. On attend que le truc qui pique passe. Voilà. Putain. Mais merde! Allez! Voilà. Vas-y, donne-moi une autre. Ah, il coûte un, hein. Putain. Hey! Ce truc là-haut, il... Comment je peux aller l'atteindre? Ah, d'accord. J'ai eu peur. Oh là! Oh là 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 là. Wesh! Est-ce qu'on peut passer en dessous? C'est bon. Non! Voilà. D'accord. Je me disais bien que c'était pas possible de passer au-dessus. Hop là. Pourquoi ils mettent la musique là du méchant là qui nous poursuivait là? Ça me fait... ça me stresse. Et hop. Pourquoi vous remettez plus la... Là-bas il y a un truc. La musique qui était bien là, qui était toute douce et qui me plaisait. C'est tout? Juste ça? Ah, d'accord. Hop, pénis. Non! Ah! Putain!
hop là. Mais merde, saleté de mur. Oh, pas possible. Ah, d'accord. Je me disais, c'est bizarre. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, une petite sauvegarde, voilà. Un petit cheese. Franchement, les amis. Oh non, putain, merde. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je parle et je fais des conneries. Je disais, pour le moment, ça va, on se met bien. On a 5 vies, on a récolté 3 caches. Même si on se fail sur ces passages, du moment qu'on meurt pas, ça va. Oh. Et passage comme ça, ce foiré, c'est con! Ok. Déjà sauvegardé, je m'en bats les couilles. Et cette boule qui pique là, elle me stresse aussi. Vite! Oh. Ok, ok. Yep là. Du coup on passe par là. Oh non, sérieusement? Mais oh, oh. Mais j'ai pas compris là pour le coup. Attendez. Juste que je peux pas voir là-dessus déjà. Non. Ah d'accord, ok. Enfin juste que... Ok. Enfin faut même pas se poser la question. Là-bas il y a un truc là aussi. Ah, j'ai entendu un bruit. Est-ce que ça aurait débloqué une cache quelque part? Ah, ça a débloqué un petit nuage là-haut. Mais merde! Putain, mais ce nuage il me rend fou! Putain, il le fait que quand je le veux, hein. Quand je le veux pas, je veux dire. Merde, mais accroche-toi! Putain! C'est pas vrai, putain. Je vais péter un câble. Attends. Ah bah voilà! Enfin! Ok, ok, ok. Oh non, putain, c'était toi depuis tout à l'heure, là! Lâche-moi les couilles! Arrête! Non! Mais pourquoi tu me casses les couilles? Vas-y, j'y vais à la bourrinade. Enfin, la bourrinade, voilà, bref. Oh oh! C'est tout? C'est tout ce que vous me donnez? Même pas un... Oh putain, les salauds! Les salauds, putain! Ça veut dire qu'il faut que j'y retourne! Putain, vous me saoulez! Oh, les 6-2. Allez, vas-y, je vais crever. Voilà! Merde! Oh, mais non, mais là, c'est vraiment n'importe quoi! Putain, foutu piège à la con. Voilà. Non, pas tout de suite. Je veux récupérer absolument ces caches d'Helic Toons. Pourquoi ça? Bah parce que je vais finir le jeu à 100%, mais... Voilà, c'est parce que j'ai pas envie d'y retourner après. C'était pas là, c'était où? C'était où qui était le truc? Voilà. Ok. Accroche-toi, bordel de merde! Allez! Voilà, merci! Ok, ok. Oh putain. Il va me péter les couilles! Tu vas reculer encore jusqu'où? Merci. Je voudrais m'accrocher si possible. Putain, en fait, c'est salaud, quoi. Je suis obligé de tomber pour que la cage, elle apparaisse, quoi. C'est vraiment... c'est marrant, hein. Putain. Remettez-moi les trucs. Les nuages. Remettez-moi les nuages, putain. Pourquoi je peux pas remonter, là-haut? Oh là 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 là. C'est vraiment du foutage de gueule.
En gros, je peux pas les récupérer. Ah si, faut peut-être que je termine les... Ouais, peut-être que je les tue tous les deux. Non. Oh, vous savez quoi, ça me saoule. On termine le niveau. Tant pis. C'est vraiment du troll, là, mais vraiment du troll gratuit, là, de la part du jeu. Voilà, bref, du coup, on va sauvegarder un petit coup. Oh bah, j'avais un point de sauvegarde là aussi, là-bas. On sauvegarde. Et on entame un autre niveau. Voilà. Alors, du coup, on a débloqué ce niveau-là. Les cimes de Mr. Stone. Ah, du coup, là, il va y avoir un boss. Le boss des montagnes bleues. Je pensais pas qu'il arriverait aussi vite. D'accord. Changement total de décor. What the fuck, cette Mama Rayman. Pourquoi je le sens pas trop? Ouais, le musicien offre à Rayman le pouvoir super hélicoptère. Ah oui, yeah, ça c'est bien ça. Attendez, ah merde, faut déjà que je prenne la potion. Ah ouais, du coup, ça veut dire que je peux... Ah ouais, tant que je bourrine le bouton croix, et bah je peux voler infiniment. Ok, est-ce qu'il y aurait pas un truc du coup par ici? Non. Non, oh merde, putain le con. Oula, j'ai bougé le micro sans faire exprès, vous m'excuserez. Voilà. Ok. Oh putain, fais attention quand même, parce que quand tu relâches le bouton croix, ça relâche très vite. Oh merde. Putain, heureusement que quand on se fait toucher, on peut rattraper ensuite. Ah, je dis pas non pour un petit truc comme ça. Hop. Non, mais par contre à manier, c'est pas évident. Quand on veut redescendre. Non, allez, allez, allez. Je suis sûr que ces deux looms ne servent pas à rien. En fait, si ça servait à rien. Et ceux-là, je suis sûr qu'ils servent pas à rien. Oh putain, mais merde! Pour rattraper deux looms, je fais de la merde. Putain, mais c'est compliqué! Faut bien doser! Pas trop fort! Putain! Mais non! Mais putain de merde, vite! Sauvegarde, sauvegarde! Fou. Il reste plus qu'un point de vie. C'est la loose. Oh putain de merde. Non. Si je tombe trop, c'est le vide. Non. Putain, voilà, c'était sûr. Non, c'était sûr, là. Ok. Jusque là, ça... Oh non, putain. Je me prends toujours ici, hein. Allez, allez. Putain, mais merde. Oh, mais... Ah, mais merde, merde, merde. Okay, fais gaffe, s'il te plaît, fais gaffe. Putain, mais faut toujours que je me prenne cet angle à la con. Oh, ça m'énerve. Allez, vite, mais grimpe, vite. Pas trop. Tiens. Allez, putain, merde. Oh, là, il y a le vide. Oui, ça m'énerve. Oh, mais c'est salaud, ce timing, là, qu'ils nous font. Vite. Non, mais vite, hein, douille de merde, fils de pute. Putain, il tombe, ce con. Merde. On est bien. On est bien. Non, on est plus bien. Comme les poils. Les poils plus bien. Vite. Mais grimpe. Mais grimpe en douille, putain. Mais pourquoi tu grimpes pas plus haut? Mais vite. Oh. Mais qu'est-ce que t'es lent. Espèce d'astronaute. Putain, merde. Eh oui, game over. Ouais. Game over, génial. Yes. On n'a pas encore été ici. C'est jamais. Ok. Calme, on reste au calme. Concentré. Yeah. Concentré. Oh putain, les fils de... Non. Putain, ça c'est un piège. On attend que le truc y revienne. Oh putain. Là, on se garde.
Heureusement qu'ils ont mis plusieurs points de sauvegarde d'affilée là. Franchement. Oh putain, non. Oh non, mais non. Vite, vite, oh putain de merde. Vite, 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 oh merde. Oh non, putain. Il ne reste plus qu'un point de vie, je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Et voilà. Putain, j'en ai marre. Doucement, putain, mais descends pas entièrement. Oh, mais t'es vraiment con. Putain, mais merde. Oh, les timings, ça me casse les couilles. Oh, merde, merde, merde. Oh. Ça me saoule. Bon, ça va, il me reste encore 3 vies, mais fais chier, quoi. Oui, c'est bon. Calme. Doucement. Yes, c'est bon, ça passe. Oui. Oh, fin du stage. Yes. Putain. C'est quoi la suite? C'est le boss? Oh putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh putain. C'est quoi ce truc? Allez, vite, il tient plus qu'un fil. Mais coupe-le. Oh yes, ça y est. Oh putain, ça y est, c'est bon. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai réussi. Ok. Bon bah tant mieux, vous me direz. Ok. Bon, ça c'est fait. Je sais pas du tout jusqu'à où ça va me mener encore. Il me reste zéro vie. Zéro vie, les amis. Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh, mais vas-y. Oh non! Oh non, putain, pas ça! Non, 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 putain! En plus, regardez comment l'eau elle va vite, c'est vraiment salaud! Non, 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 hé, hey, hey, oh! Mais en plus, je peux plus voler. Comme je pouvais voler. Oh non. Putain, ça va vite, ça va vite, ça va trop vite, arrêtez! Oh non, ça va trop vite, là, vite. Oh non, mais oh, mais bien sûr! Oh là là, faut que je me le prenne. Non! 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 Non, vite, mais putain, non! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Et là, j'ai sauté, il m'a tué! Je vois. Mais mon cher Sylvostre, peut-être faudrait-il que vous envisagiez, peut-être, l'idée que vous êtes un joueur de merde. Bon les amis, écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter ici pour cet épisode, parce que sinon je pense que je vais tuer quelqu'un. Bon, je sais déjà comment ça fonctionne du coup, par exemple, pour les deux premières parties. Pour la troisième, eh bah du coup j'ai déjà eu un premier aperçu, hein. Du coup je pense que ça devrait mieux se passer pour quand on va réattaquer le niveau dans le prochain épisode. D'ici là les amis, prenez soin de vous, sortez couverts, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fera très plaisir. Sur ce, à très bientôt, bye.